Bienvenue sur les cours de Jean-Phi pour une leçon consacrée aux formes différentielles et à l'intégrale curviligne. L'espace grand E, c'est R puissance n, muni de sa base canonique B est égal à EI. U est un ouvert non vide de E et on prend n supérieur ou égal à 2. Une forme différentielle de degré 1, c'est une application oméga de U vers E étoile, l'ensemble dual de E, l'ensemble des applications linéaires de E vers R. Donc, et à X. Relation d'équivalence, on a deux chemins I gamma J psi, et on note gamma équivalent à psi, ou I gamma équivalent à J psi, pour dire que gamma est C1 équivalent à psi. Réflexivité, gamma est équivalent à gamma, car si on considère l'identité de I vers I, eh bien, on a gamma qui est égal à gamma rond identité, et l'identité, évidemment, est un C1 diffeomorphisme de I vers I. Symétrie, gamma équivalent à psi, donc on a ça, avec θ qui est un C1 diffeomorphisme, et donc gamma qui est égal à psi rond θ. Alors psi va être égal à gamma rond θ moins 1, θ moins 1 étant un C1 diffeomorphisme de J dans I, et donc on voit que psi est équivalent à gamma. Transitivité, gamma I est équivalent à psi J, et psi J à phi K, donc I, J, K, c'est des ce sont des segments. Donc on a cette situation-là, et celle-là, avec gamma égale psi rond θ1, psi égale phi rond θ2, θ1, θ2 des diffeomorphismes. Alors on a un diffeomorphisme de I dans K qui est θ2 rond θ1, et on voit que gamma qui est égal à psi rond θ1 va être égal à phi rond θ2 rond θ1, et donc à phi rond θ2 rond θ1, avec θ2 rond θ1, donc qui est un C1 diffeomorphisme, et donc on voit que on a bien gamma qui est on a donc gamma effectivement qui est équivalent à phi, et c'est gagné. Chaque classe est appelée un arc géométrique sur U, et les chemins qui appartiennent à un arc sont appelés les paramétrages admissibles de cet arc. On remarque que si gamma I est équivalent à psi J, alors on a ça qui nous fait que gamma I, l'ensemble des points de U, est égal à psi rond theta I, et qui est égal à psi de J. C'est-à-dire cette partie-là, cet ensemble de points est égal à celle-là. Donc ça, ces deux parties-là qui sont égales, ça s'appelle le support de l'arc géométrique. Il est le même, quelle que soit la représentation admissible. Rappel, si θ est un homéomorphisme, donc rappelle que c'est bijectif, θ-θ-1 continu de I vers J, alors si c'est un homéomorphisme. Vers J égale θ2i. Alors, soit θ est strictement croissant, et alors J va être de cette forme-là, θ2a, θ2b, et θ-1 va être aussi strictement décroissant, et si θ est strictement décroissant, alors J va être comme ça, et θ-1 va être aussi strictement décroissant, ça c'est vu en analyse. Un chemin est dit fermé si gamma, donc de représentant I gamma, si gamma A est égal à gamma B. Alors si deux chemins, si on prend deux chemins équivalents, alors l'un est fermé si et seulement si l'autre est fermé. Démonstration, ils sont équivalents, donc on est dans cette situation. Soit θ est strictement croissant, et alors on a U qui est égal à θ A et V qui est égal à θ B. Et alors gamma de A, gamma de A, il va être égal à psi rond θ de A, c'est-à-dire à psi de U, gamma de B à psi de B. Alors,
gamma, dire que gamma de A est égal à gamma de B, ça équivaut bien à dire que psi de U est égal à psi de B. Et puis, soit θ est décroissant, alors θ de A va être égal à V, θ de B va être égal à U, alors gamma de A est égal à psi de V, hein, parce que gamma de A est égal à psi de θ A, mais θ A, ça fait V, donc ça fait bien psi de V, et gamma de V est égal à psi de U. Donc, dire que gamma de A est égal à gamma de V, ça équivaut à dire que psi de V est égal à psi de U, d'où le résultat. Alors, on dit tout à l'heure que l'arc géométrique est fermé. Donc, c'est-à-dire que, quelle que soit la représentation admissible de cet arc géométrique, on a une représentation fermée. Soit A, un arc géométrique de représentants IF et JG, on dit qu'ils ont le même sens, que ces deux représentations ont le même sens si elles définissent la même orientation, ou qu'elles définissent la même orientation de l'arc. S'il existe un C1 diféomorphisme strictement croissant, croissant, j'avais oublié de la mettre, de I vers J, tel que F est égal à G rond θ. Alors on va prendre cette notation et on va obtenir une relation d'équivalence sur A. Alors la démonstration c'est la même qu'ici, c'est-à-dire la réflexivité avec l'identité qui est strictement croissante, la symétrie, parce que si θ est strictement croissant, bien, θ moins 1 va être aussi strictement croissant. Et puis pour la transitivité, bah, il suffit de remarquer que θ2 rond θ1 est strictement croissant, parce que θ1 et θ2 le sont. Voilà. Donc on obtient une relation d'équivalence sur l'arc géométrique. D'accord ? Alors, par contre, si IF et JG sont deux représentations de l'arc géométrique, on dira qu'elles sont de sens contraire s'il existe un C1 diféomorphisme θ strictement décroissant tel que F est égal à G. Chemin opposé, on a un chemin I gamma, le chemin opposé qu'on note moins gamma ou I moins gamma, mais c'est dangereux. Hein. Et le chemin I phi ou phi est défini par phi de t égale gamma de A plus B moins t, sur AB. On a donc gamma qui est égal à phi rond θ, où θ est le C1 diféomorphisme de I vers I, qui a t fait correspondre à plus B moins t. Les deux chemins sont donc équivalents, de sens opposés, parce que θ est décroissant. Soit un arc géométrique A de paramétrage admissible I gamma, A inférieur à B. Alors A a exactement deux classes, celle de I gamma, et celle de l'arc opposé Iφ, avec les notations précédentes. Soit JF un paramétrage de A, il s'agit de montrer qu'il appartient à une des deux classes. Il existe U, c'est un des diféomorphismes de I vers J, tel que gamma égale F rond U. Si U est croissant, I gamma a le même sens que JF, et donc JF appartient à la classe de I gamma. Si U est décroissant, bah, je reviens à ça, j'écris que gamma égale phi rond θ, et donc gamma rond θ va être égal à phi rond θ2. Mais θ2, je vois que ça fait l'identité, parce que A plus B moins T, ça fait T. Et donc, ça me donne que phi est égal à gamma rond θ, et je remplace phi par F rond U, et j'obtiens donc que phi est égal à F rond U rond θ. U θ sont des C1 diféomorphismes décroissants, donc U rond θ est un C1 diféomorphisme croissant de I vers J. Et donc phi a le même sens que f, et donc jf appartient à la classe de iφ. Et c'est terminé. Chemin C1 différenciable par morceau, une fonction f de AB vers U, par inférieur à B, qui est continue, très important, tel qu'il existe une subdivision de AB, tel que les restrictions gamma k de gamma à chaque segment de la subdivision pour k compris entre 0 et n-1, soit des C1 diféomorphismes de ik dans gamma de Ik. Ik, Φk sont donc des chemins différentiels et ce qui assure la continuité, gamma k-1 de Ak est égal à gamma k de Ak pour tout k compris entre 0 et n-1.
Chemin juxtaposé, on prend deux chemins, mais pas n'importe comment. Il faut que gamma 1 de B soit égal à gamma 2 de C, différentiable par morceau. A inférieur à B, C inférieur à D. On définit le chemin C1 différentiel par morceau, c'est ce qu'on va voir, qu'on note gamma 1 ou gamma 2. Sur le segment K égale A, B plus D moins C, par entre A et B, T donne gamma 1 de T, et entre B et D plus D moins C, que j'appelle J', gamma 2 de T moins B plus C. Alors, je note au passage que gamma 3 de B est égal à gamma 2 de C, donc égal à gamma 1 de B. Ça va m'assurer la continuité de gamma, parce que la restriction de gamma à B est continue, la restriction de gamma à B, B plus D moins C est continue, et donc grâce à ça va être continu. Gamma en D, et donc ça sera continu partout. Alors c'est possible de faire ça parce que A est inférieur à B plus D moins C, parce que A plus C est inférieur à B plus D, parce que A est inférieur à B et C à D. Et par ailleurs, ça je peux le faire parce que D moins C est positif, hein, tout simplement parce que C est inférieur à D. Donc gamma 3 est continu, gamma 2, gamma 1 aussi, donc gamma va être continu. Je prends une subdivision de I associée à I gamma, une subdivision associée à J gamma 2, gamma 1, pardon, j'ai dit gamma, et c'est gamma 1. Et là, J gamma 2, on obtient alors une subdivision sigma prime 2, alors je travaille celle-là, si prime, C prime 0 jusqu'à C prime P, de B, B plus D moins C, où C et C prime K sont égaux à ça. D'accord? Donc c'est bien une suite croissante, ça et C prime K, et j'ai bien C prime 0 qui est égal à B plus C 0 moins C, ça fait B, et j'ai bien C prime B qui est égal à B plus D moins C, parce que CP est égal à D. Voilà. Quand T décrit B, B plus D moins C, T moins B plus C décrit CD, et quel que soit K allant de 0 à P moins 1, quand T décrit ça, eh bien T moins B plus C décrit ça, c'est-à-dire CK, CK plus 1. Donc CK, CK plus 1. Et on voit donc que gamma 3, qui à t fait correspondre gamma 2 de t moins b plus c, est de classe, est un chemin de classe C1, enfin est de classe C1 sur chaque segment comme ça, et donc que c'est un chemin différentiable par morceau. Voilà, gamma 3, j'y prie. Alors maintenant, si je réunis les deux subdivisions, celle de AB et celle de B plus D moins C, d'accord? Eh bien, je vais obtenir une subdivision donc, de K égale à B plus D moins C, qui est continue pour les raisons que j'ai déjà dites. Et la restriction gamma K de gamma à chaque segment comme ça, bah, ça va être les restrictions à chaque segment de la subdivision de AB, et puis à chacun de B plus D moins C. Et donc, à chaque fois, c'est un C1 difféomorphisme. Et donc, ça veut dire que K gamma va être un chemin différentiable par morceau. Soit U un ouvert de E égale R puissance N et X, Y appartenant à U. On dit qu'un chemin I gamma C1 différentiable ou C1 par morceau rejoint X à Y si gamma A est égal à X et gamma B est égal à Y. On dit que X est l'origine du chemin gamma et Y son extrémité. Enfin, si I gamma, J phi sont deux chemins équivalents joignant X à Y, alors ils ont le même sens, car gamma A va être égal à phi de U, et les deux sont égaux à X, il va être égal parce que les deux sont égaux à X, et gamma B va être égal à phi de V parce que les deux sont égaux à Y. Rappel de topologie, dans l'espace E égale R puissance N, une partie grand X de E est connexe par arc si il n'existe pas de partition de X en deux ouverts non vides, deux ouverts non vides de X. Les connexes de R sont les intervalles de R. Et ils sont que, c'est-à-dire les connexes sont des intervalles sont les connexes.
On dit que x est connexe par arc si quel que soit AB appartenant à x, il existe un arc. Alors un arc c'est quoi? C'est pas tout à fait un chemin. Un chemin c'est plus fort qu'un arc. Hein. C'est une application continue d'un segment UV vers x. D'accord? On ne demande pas à ce qu'il soit différentiel. Tel que gamma U égale A et gamma V égale B. Dans E égale R puissance N, connexe par arc implique connexe. C'est-à-dire toute partie connexe par arc de R puissance N est connexe. C'est en particulier vrai dans R, bien sûr. R, R puissance N sont connexes et connexes par arc. Je rappelle qu'une partie X est convexe si quel que soit AB appartenant à X, le segment AB, c'est-à-dire l'ensemble des points A plus T facteur de B moins A, quand T décrit le segment 0, 1, est inclus dans X. Convexe implique connexe par arc. Connexe par arc implique connexe. Propriété, si U est un ouvert de E égale R puissance N, alors U est connexe si et seulement si U est connexe par arc. Plus précisément, si U est un ouvert connexe, eh bien, on montre que deux points XY appartenant à U peuvent être rejoints par une ligne polygonale. C'est comme ça qu'on fait la démonstration en topologie. Donc, qui démarre à 0 égale X et qui termine à N égale Y, genre comme ça. Donc, ça, c'est un chemin C1 différentiel par morceau, puisque sur chacun des petits segments, alors d'abord, c'est continu, et puis sur chacun des petits segments, on a affaire à une portion de droite, et donc c'est parfaitement différenciable. Propriété, soit oméga une forme différentielle de degré 1 et de classe C1 sur un ouvert U de Rn. Si oméga est exact, alors elle est fermée. Démonstration, oméga est donc de cette forme, elle est exacte. Alors elle est exacte, ça veut dire qu'il existe une fonction f définie sur u à valeur dans r différenciable telle que oméga égale df. Donc df, ça fait ça. Et par unicité de l'écriture dans la base dxi, enfin des dxi de e étoile, hein, enfin de rn étoile, eh bien on va avoir pj qui est égal à d rond f sur d rond xi. Oméga est de classe c1. Donc f doit être de classe c2. Donc je peux appliquer le théorème de Schwarz à la fonction f. Ce qui me fait d2f sur d rond xj, d rond xi, égale d2f sur d rond xi, d rond xj. Donc d rond pi sur d rond xj égale d rond pj sur d rond xi, quel que soit ij. Donc c'est la forme oméga est bien fermée. Remarque, hein, alors on va s'intéresser à la réciproque via le théorème de Poincaré. Et dans cette démonstration, on va utiliser une fonction qui ressemble à ça. Et là, j'explique pourquoi. Soit x appartenant à u, si je considère je le fixe, hein, et je prends la fonction phi x hein, qui a t appartenant à 0, 1, ceci f de tx appartenant à r. Alors évidemment, il faut que je puisse prendre l'image de tx. Donc je suis avec ces hypothèses-là. Et pour pouvoir prendre tx, il faut que si x appartient à u, tx appartienne à u. Donc en fait, je vais supposer ici que l'ouvert u est étoilé par rapport à 0. Donc si x appartient à u, tout le segment qui va de 0 à x appartient à u, donc tx appartient à u. Donc je suppose ça. Et je considère la fonction lambda qui a t appartenant à 0, 1, donc donne tx appartenant à u. Bon, ben ça, c'est une fonction qui est continue, hein, et qui est même différenciable. Sa dérivée, quand je dérive par rapport à t, ça, c'est une fonction vectorielle. Hein. Okay, c'est un polynôme en t, donc cette classe, c'est infini. Hein. Et donc, sa dérivée, c'est x. Hein. D'accord. Donc, elle est classe c1 de dérivée x, et f aussi est classe c1. Donc, phi x qui n'est rien d'autre que f rond lambda est classe c1, et phi prime... Enfin, phi x prime, la dérivée de phi x en t, est égale à la différentielle en lambda t rond lambda prime de t. Mais lambda prime de t vaut x. Et puis lambda t, c'est tx. Donc ça fait tf en tx pris en x. Donc ça fait que c'est égal à somme de j égale à 1 à n de d rond f sur d rond xi en tx,
xj. Hein, parce que ça, ça fait ça. Alors, je note que f de x moins f de 0, c'est phi de 1 moins phi de 0, évidemment, hein, puisque phi de 1, ça fait f de x, et phi de 0, ça fait f de 0. Donc, ça fait somme de 0 à 1 de phi x prime de t dt. Donc, phi x prime de t dt, ben, c'est ça. On intègre, d'accord, et qui va nous permettre, donc, f de x moins f de 0 est égal à ça. Donc, ça, voilà, on choisira une fonction qui sera une primitive de ça dans la démonstration du théorème, du petit théorème de Poincaré. Alors, en attendant ce théorème, qui va nous dire que si l'ouvert U est étoilé, alors oméga, et si oméga est fermé, alors elle est exacte, eh bien, on va donner un exemple, un contre-exemple, c'est-à-dire une forme différentielle fermée qui n'est pas exacte. Alors, évidemment, on va prendre un ouvert U qui n'est pas étoilé. Donc, on va considérer cette forme-là sur U égale R2 moins 0,0. Alors, elle est fermée. On va d'abord démontrer qu'elle est fermée. Donc, oméga, c'est de la forme P dx plus Q dy avec P qui est égal ici à moins y sur x2 plus y2. Alors, d rond P sur d rond y, ça nous fait, je vous laisse vérifier ce truc-là, ça nous fait ça. Et Q est égal à x sur x2 plus y2, donc d rond Q sur d rond x, bon, c'est le même genre de calcul. Et on constate que d rond P sur d rond y égale d rond Q sur d rond x, donc oméga est fermé. Alors on va chercher une fonction f de u sur r, telle que p est égal à d rond f sur d rond x, et q égale d rond f sur d rond y. Donc d rond f sur d rond x doit être égal à moins y sur x2 plus y2, ce qui nous fait rapidement hein, f de x, y égale moins arctangent de x sur y, plus une constante, c'est-à-dire un truc qui ne dépend pas de x. Alors évidemment, j'ai besoin que y soit différent de 0, donc ça va être sur oméga, l'ouvert obtenu à partir de U en enlevant tous ces couples-là. Comme ça, alors, je n'ai pas besoin d'enlever 0, 0, parce qu'il est déjà enlevé de U, hein, d'accord? Voilà. Et donc, ça, qui est d'ailleurs un ouvert, mais peu importe, hein, K est dérivable. Alors, K est dérivable. Parce que j'ai besoin de faire d rond f sur d rond y hein, et de dire qu'il est égal à q, c'est-à-dire à x sur x2 plus y2. Donc ça, ça va me donner que x sur x2 plus y2 est égal, et là je dérive par rapport à y, donc moins par rapport à y, moins x sur y2, puis 1, hein, plus k' de y, donc ça nous fait ça, donc k' de y égale 0, donc k est une constante. Donc ça fait que f de xy est de cette forme-là. Alors, maintenant je vais fixer un x0 strictement positif je vais m'intéresser à la limite de f en x0y quand y tend vers 0 plus. Donc à ce moment-là, x sur y tend vers plus l'infini, l'arc tangente c'est pi sur 2, donc j'obtiens k moins pi sur 2. Par contre, si je prends la limite de f de x0y quand y tend vers 0 moins, hein, eh bien, dans ce cas-là, donc là, vous voyez, j'ai un x0 qui est par là, hein, qui est un x0 qui est positif, d'accord, ici par exemple, et je fais tendre des y vers x0, d'accord, voilà. Donc en fait j'ai des points ici qui se rapprochent. Et bien donc là j'avais trouvé que c'était ça la limite. Et si je fais tendre par valeur inférieure, bah, je vais avoir arc tangente moins l'infini, ça fait moins pi sur 2, donc je vais obtenir k plus pi sur 2. Et donc c'est pas la même limite. Donc la limite ici et ici, hein, quand je tends comme ça ou comme ça, n'est pas la même. Ça veut dire que f n'a pas de limite en x0. Et pourtant, ce point-là, il appartient à U. D'accord ? Donc, je ne vais pas trouver de fonction différenciable sur U telle que oméga soit égal à df, parce que ces fonctions différentielles, elles doivent être continues sur U. Alors là, ça ne va pas l'être. Alors, le défaut vient du fait que U n'est pas un ouvert étoilé.
Hein, sinon, il existerait AB différent de 0, 0, tel que, quel que soit XY appartenant à U, ce segment-là appartiendrait à U. Alors, c'est évidemment faux, parce que si je prends celui qui est diamétralement opposé par rapport à 0, hein, eh bien, ce segment-là, il appartient pas à U, parce qu'il passe par 0. D'accord ? Voilà, donc le problème vient du fait que U n'est pas un ouvert étoilé. Mais par contre, ce que j'ai fait là, si à la place de cet ouvert là, j'avais pris un ouvert, par exemple une boule ouverte dans le premier cadran, là, eh bien là, par contre, oméga avait bien une primitive, et donc elle était bien exacte, hein, parce que l'ouvert était étoilé, et donc la primitive, elle aurait été un truc comme ça. Théorème de Poincaré. Oméga est une forme différentielle de degré 1 et de classe C1 sur un ouvert étoilé U de E égale Rn. Oméga fermé implique oméga exact. Démonstration. U est étoilé. On se place d'abord dans le cas où U est étoilé par rapport à A égale 0. Donc 0 appartient à U. Donc oméga. Et on construit phi de W égale U croix 0 1 vers R qui a Y égale ce n plus 1 uplet appartenant à W, associe oméga tx en x appartenant à R, où x est égal au n uplet xj. C'est possible car U est étoilé en 0, donc à chaque fois que x appartient à U, tx appartient à U. On a donc phi de y hein, qui est égal à la somme des xj pj en tx. Bon, il est continu sur W car Y donne TX est continu, ainsi que les PJ. Soit donc F qui a X appartenant à U associe somme de 0 à 1 de ça, ce qui est possible puisque c'est continu en T. Les PJ sont classes C1, donc phi a des dérivées partielles, et phi il est égal à ça. Donc je choisis K. Et pour J différent de K, je vois que D rond sur D rond XK de XJ PJ en TX, ça va être quoi? Ben, je me place au rang J, je dérive par rapport à XJ, ça va me sortir un T fois XJ, TXJ, D rond PJ sur D rond XK en TX. Ça c'est pour J différent de K. Mais pour J égale K, là, il va y avoir deux choses, c'est-à-dire que il va falloir dériver le xj, ce qui va donc en l'occurrence le xk, ce qui va faire pk en tx plus, et puis là je laisse le xk, je dérive le pk, donc là ça fait comme avant, t d rond pk sur d rond xk en tx. Donc finalement d rond phi sur d rond xk en y est égal à pk en tx plus somme de j égale à 1 à n de TXJ D rond PJ sur D rond XK en TJ. Alors évidemment, c'est continu sur W parce que Y donne TX, Y donne TXJ, et puis les PK sont continus. Enfin, j'aurais dû dire les PJ. Les PK, les PJ et les D rond PJ sur D rond XK sont continus. Donc, D rond F sur D rond XK en X existe et ça va être égal à somme de 0 à 1 de D rond phi sur D rond XK en Y dt. Voilà. Ça, si vous voulez, c'est exactement un théorème d'intégration sous sinusome. Je vais en parler juste après. Oméga fermé, donc les d rond pj sur d rond xk en tx, va être égal à d rond pk sur d rond xj en tx. Et donc en fait, mon d rond f sur d rond xk en tx va être égal à la somme de ça. C'est-à-dire que je vais remplacer les d rond pj sur d rond xk par les d rond pk sur d rond xj. Alors, pour x fixé, je considère cette fonction ut égale à t pk de tx. Et elle est dérivable parce que pk est différentiel et que t donne à t est dérivable. U prime de t va être égal à quoi? À 1 pk en at. Alors c'est pas en at, c'est en xt, pardon.
ou en TX, plus T, somme de J égale 1 à N, de D rond P4 sur D rond XJ en TX, fois XJ, parce que c'est toujours pareil. Hein. Quand je dérive par rapport à T, là, ça va sortir un XJ. Voilà. C'est ça. Donc, ça me fait en fait que je retrouve exactement ce que j'avais là. Et donc, D rond F sur D rond XK en X va être égal à la somme de U' de T dT. D'accord ? Et comme U est... oui, parce que j'ai... U prime, alors U prime était continu. Hein, T donne, j'ai dit que c'était dérivable, et puis là, je vois même que la dérivée est continue. D'accord ? Donc U prime, ça c'est continu. Continu parce que ça fait intervenir PK et dérons PK sur dérons XJ qui sont continus, puis TX qui est continu. Donc, j'ai somme de 0 à 1 de U' de T dt, donc ça fait ça, U1 moins U0. U1, U en 1, bah ça fait 1 pk de x, hein, pk de x, et puis en 0, ça fait 0. Quel que soit x appartenant à U. D'accord ? De plus, pk est de classe C1. Donc, je vois quoi ? Que f va être donc différentiable, et que df, évidemment, est égal à la somme de 1 à n des pk dxk, ce qui fait oméga, parce que ça, c'était vrai quel que soit x. Hein. Donc, d rond f sur d rond xk est égal à pk. Voilà. Et donc, ça me donne que oméga est exact. Alors maintenant, supposons que u soit étoilé par rapport à a appartenant à u. Donc, je considère l'ouvert v égale moins a plus u, c'est-à-dire je translate. Il contient 0. Il est étoilé en 0 parce que si x appartient à V, A plus x appartient à U. Donc A plus T, A plus x moins A appartient à U parce que U est étoilé par rapport à A. Et donc A plus T, TX appartient à U. Et donc TX appartient à V. Soit alpha, la forme différentielle définie sur V par alpha de x est égal à ça. Donc somme des QJ des XK. Alors sauf que c'est des XJ, pardon. Donc alpha de x est égal à oméga en a plus x, ça fait c1 sur v, parce que x donne a plus x et c infini, que les pj sont continus. Pour i différent de j, d rond qj sur d rond xi en x est égal à d rond sur d rond xi de pj de a en a plus x, et donc comme elle était fermée, ben, je peux remplacer ça par ça, qui nous fait ça, d rond qi sur d rond xj en x. Donc ça veut dire que alpha est C1 fermé sur V étoilé. Donc alpha est un DF, ou F est donc différentiable de classe C1 sur V. Voilà. Donc c'est une primitive de alpha. Alpha égale DF. Donc alpha de X égale DF en X, quel que soit X appartenant à V. Et donc ça fait que oméga en A plus X est égal à DF en X, quel que soit X appartenant à V, soit G. Défini de U vers R par X donne F de X moins A. Elle est C1 sur U, parce que ça c'est C1 aussi. Et j'ai DG en X qui est égal à DF en X moins A. Et DF en X moins A, c'est exactement oméga X. Quel que soit X appartenant à U. Donc oméga est égal à DG, hein, est exact. Et G, j'avais déjà dit, était de place C1. Et DG égale oméga. Oméga est exact. Je porte ici quelques précisions sur la démonstration précédente où j'ai utilisé le théorème de dérivation sous sine somme mais avec des fonctions de plusieurs variables, alors qu'il est connu que sous la forme intégrale de f de xt avec x et t qui sont sur des intervalles. Ici, j'ai un ouvert de Rn hein, et le x, il n'est pas dans un intervalle, il est dans un ouvert u de Rn. D'accord ? Et donc xt, il est dans ça que je vais appeler w. Je suppose que f est de classe c1. Donc ça, ça appartient à w si et seulement si les n premiers appartiennent à u et t appartient à av. Soit g, la fonction qui, où n plus 1 u plaît ici appartenant à w, associe f de xt. Bon, elle est évidemment de classe c1 parce que ça donne chacun des xk, ben c'est continu, c'est des projections.
Donne T, c'est des projections. Donc, en fait, Y donne X, c'est aussi C1. Et puis, comme F est CV1, par composition, tout ça, c'est C1. Quel que soit X appartenant à U, grand F de X égale somme de A, de A à B, de G, de tout ça, de T, existe parce que, bon, là, les X, J, ils sont fixés. Donc, j'ai une fonction en T qui est continue, là. Et donc, ça fait somme de A à B de F de XT dt. Ça, c'est continu en T parce que je l'ai démontré voilà, ici. Soit K, compris entre A et N, on fixe les XJ pour J différents K, et on considère l'application partielle GK définie sur IK croix AB par GK de XK donne G de... Voilà. Avec... le XK il est quelque part là-dedans. JXK, GK est de classe C1, tout simplement parce que G était, C1. Et des ronds GK sur des ronds XK en XKT est égal à des ronds G sur des ronds XK en Y, égal à des ronds F sur des ronds XK en XT. D'accord ? Ça c'est continu, c'est évidemment continu. FK de XK. Alors FK de XK. Grand FK de XK, ça va être somme de A à B de ça. D'accord ? Donc C1, ça, je sais que c'est de classe C1 sur IK. C'est-à-dire que là, j'utilise la dérivation sous Simpson dans le cas où les deux paramètres sont dans des intervalles de R. Ce qui est le cas de XK. Ça, j'ai démontré que c'était continu. Que c'était dérivable, que la dérivée était continue, ça j'ai démontré tout ça. Donc je peux dire que ça aussi ça existe et que fk est dérivable et que sa dérivée c'est ça. Mais ça, je reconnais ici la kème application partielle de grand F que j'avais écrit ici. C'est-à-dire que là, j'ai juste fixé xk. J'ai fixé tous les xj et je fais varier xk, pardon. C'est une application partielle. Donc ça veut dire que des ronds F sur des ronds XK en X existe et que c'est égal à bah, ce que j'ai trouvé avant, hein, c'est-à-dire ça. Alors il me reste juste à démontrer que des ronds F sur des ronds XK est continu sur U. Donc je vais prendre en U égale UJ qui appartient à l'ouvert. Bon, je peux toujours trouver R positif tel que le produit de ces boules fermées en AJ et de rayon R. Évidemment, je peux faire ça pour tous les AJ, mais en prenant le plus petit rayon, c'est encore mieux de faire ça. Soit inclus dans U. Bon, là, c'est des boules fermées que je prends. Comme ça, des ronds F sur des ronds XK va être continu en XT appartenant à ça, qui est un compact. Donc, des ronds F sur des ronds XK va être uniformément continu, théorème d'Arrhem. Et donc, quel que soit epsilon positif, il existe nu positif, tel que xt, yt prime appartenant à k est norme de xt moins yt prime. Ça, c'est la norme dans Rn plus 1. Inférieur ou égal à nu implique que valeur absolue de dron f sur dron xk en xt moins dron f sur dron en xk en y u, je ne sais plus comment je l'ai appelé d'ailleurs, t prime. Hein. Voilà. Est inférieur à epsilon sur b moins 1. Si je prends x appartenant au produit de ces boules et que je considère des ronds f sur des ronds xk en x moins des ronds f sur des ronds xk en nu, parce que je démontrais que c'est continu, je peux toujours dire que c'est la somme de a à b de des ronds f sur des ronds xk en xt moins des ronds f sur des ronds xk en ut. On est d'accord. Donc ça va être inférieur ou égal à ça. Ce qu'il faut bien voir, c'est que si je choisis norme dans Rn de x moins u inférieur à nu, la norme dans Rn plus 1 de xt moins ut, ça va être la norme de ça, toujours dans Rn plus 1. En prenant la norme des sub des coordonnées, c'est exactement la norme de x moins u dans Rn. Si je la choisis inférieur à nu, je suis sûr d'avoir ça qui va être inférieur à epsilon sur b moins 1. Donc, ça, quand je vais l'intégrer, quand je vais l'intégrer, ce epsilon sur b moins a entre a et b, ça va faire epsilon, et donc ce truc-là est inférieur à epsilon. Voilà.
Et donc ça dit quoi? Ce que j'ai trouvé, quel que soit epsilon positif, j'ai trouvé nu positif, tel que dès qu'on a ça, on a ça. Donc ça veut bien dire que des ronds F sur des ronds XK est continu en U, quel que soit U appartenant à U. Donc que des ronds F sur des ronds XK est continu sur U. D'accord? Et ça implique que F est de classe C1 sur U. D'accord? Et voilà, donc c'est ça que j'ai utilisé sans rentrer dans les détails dans la démonstration précédente. Sur R2, la forme oméga égale xy carré dx plus x2y dy est-elle exacte? Donc on a oméga qui est égal à p de xy dx plus q de xy dy. Alors si je fais d rond p sur d rond y, on dit je dirais ça par rapport à y, je vais trouver 2xy, et si je fais d rond q sur d rond x, je vais trouver 2xy aussi, donc elle est fermée. Donc elle est exacte parce que R2 est étoilé. Alors on peut chercher une primitive sous cette forme-là, parce qu'il est évident que d rond F sur d rond X est égal à P et que d rond F sur d rond Y est égal à Q. Ben, les autres primitives vont donc être les grands F que je viens de trouver, c'est-à-dire 1 demi de X2, Y2 plus constant. En vertu de cette propriété que je n'avais pas démontrée, qui dit que si F est C1 différenciable sur un ouvert U connexe de E égale Rn, donc là on était dans un connexe et F était différentiable. Alors oméga est égal à dg implique, alors oméga ici je l'appelle df, alors oméga égale dg avec g différentiable sur E implique que g est égal à F plus constant. En effet, comme oméga est égal à dg et à df, on a d de, F, de g moins F qui est égal à 0. Et comme l'ouvert est connexe, on a g moins f qui est une constante, donc g est égal à f plus constante. Exercice sur R2, on prend cette forme différentielle, hein, x exponentielle 2y dx plus y exponentielle 2x dy, est-elle exacte? Donc je fais pareil, hein, des ronds sur des ronds y, hein, je trouve ça, je ne me trompe pas, 2x exponentielle 2y, des ronds sur des ronds x de ça, je trouve que c'est 2y exponentielle 2x, alors là c'est pas pareil. Il suffit de prendre x égale 1 et y égale 0, ici ça fait 2, ici ça fait 0, on voit bien que c'est pas pareil. Donc ça veut dire que elle n'est pas fermée, donc comme elle n'est pas fermée, elle n'est pas exacte, parce que si elle était exacte, elle serait fermée. Un dernier exercice sur R2 privé de 0, 0. Et donc lui c'est un ouvert qui n'est pas étoilé. Alors, oméga égale x sur x2 plus y2 dx plus y sur x2 plus y2 dy, si j'appelle ça p et q, est-elle exacte? Eh bien, d rond p sur d rond y, ça nous fait moins 2, je dérive par rapport à y. Xy sur x2 plus y2 au carré. Et d rond q sur d rond x, je dérive par rapport à x, ça fait moins 2xy sur x2 plus y2 au carré aussi. Donc elle est fermée, elle est fermée, mais on est sur un ouvert qui n'est pas étoilé. Donc on ne sait pas si elle est exacte. Donc on va chercher f de xy de façon à ce que d rond f sur d rond x soit égal à ça. Donc j'intègre par rapport à x et je trouve f de xy égale 1 demi de ln de x2 plus y2 plus une constante qui dépend de y. Alors maintenant, quand je dérive ça par rapport à y, ça va me faire y sur x2 plus y2 plus la dérivée de ça. Mais moi, je veux que ça soit égal à... Je veux que ça soit égal à ça. D'accord? Donc, ça, c'est y sur x2 plus y2. Donc, il faut que f' de y soit égal à 0. Donc f soit une constante. Donc la primitive, ça va être 1 demi de ln de x2 plus y2. Mais bon, cet ouvert-là, il était connexe par arc, hein, puisqu'on peut rejoindre deux points en faisant un chemin polygonal. Donc il est connexe, et donc j'en déduis que toutes les primitives sont de cette forme.